Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça va dépendre de qui est et qui côté ou attendez vidéo ça. Eh bien, nous portons une nouvelle vidéo pour nous qui est vraiment intéressant. Mais avant de nous entrer dans l'actualité, nous avons profité de remercier vous, ou même qui déjà abonné avec la chaîne là. Et moi, remercier tout ou même qui entre sur la chaîne là qui peut faire ça. Moi, invite vous à abonner et invite vos amis, vos familles, vos compatriotes. Abonnez avec channel là parce que nous avons une TV News, nous là pour nous informer de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Qui ça nous porte pour nous en dans l'actualité? Et bien, comme tout le monde connaît, le dossier corruption Petro-Caribe, et bien, Reginald Boulos, et bien, nèg ça voyons lettre tout l'ouvrir by président Jovenel Moïse, l'imandil pour le démissionner, pressé, pressé. Reginald Boulos m'a dit, président Jovenel Moïse, avant 92 ans, pour le démissionner. Avec un pilote détail toujours, moi invite nous suivre vidéo et moi invite nous quitter un petit commentaire pour nous pour encourager nous pour travailler là capable de continuer. Moi dis merci, merci, merci pour patience ou toujours été là connecté ensemble avec un petit vidéo. Et bien, restez branché dans tout. Dernier événement qui est passé 6, 7, 8 et juillet dans le pays, côté de la principale victime, n'a parlé de docteur Reginald Boulos qui écrit on l'est tout l'ouvri. Côté il demandait Jovenel Moïse pour le démissionner. Il rappelait qu'il était soutenu Jovenel Moïse, mais Jovenel Moïse pas montré à la hauteur de ça qu'il était doué faire dans tête pays. Hein. Il fait connait que monsieur, au contraire, il était fait une première proposition après événement juillet. Yo. Monsieur pas saisi occasion. Au contraire, il était quitté et les chevaliers de l'Apocalypse accompagnaient. Et côté la fête, il illusion sous soi-disant pouvoir que le gain, il doutait même proposition qu'il était faite dans la période, ça capable d'appliquer quoi il est là, il croit que M. Pagan l'autre choix, dans niveau situation arrivé là, c'est démissionner. Alors, d'abord, on a présenté et lettre tout l'ouvri ça, docteur Reginald Boulos, vous voyez, qui peut être date journée aujourd'hui, by Jovenel Moïse, dans le palais national, mais ça le dit. Après colère et frustration, peuple haïtien a exprimé la date 6-7 juillet et puis après ça 17 octobre, après ça 18 novembre 2018, mette de façon confidentielle, voyez baou la date 19 novembre 2018, une proposition pour te retirer pays en crise. Moi voulais cependant pour rappeler que non seulement ou te bay vague de façon totale capitale concernant proposition de fort pour te retirer pays en crise date ça. Mais et ça paraît bizarre, moi t'ai joine une partie dans proposition m'te fait ba ou t'ai diffusé et yo t'ai voyé bay des critiques qui étaient très agressifs contre moi et qui t'ai gain position complètement irrationnelle et moun qui pisait dans pouvoir là qui t'a fait attaque dat ça et youn nan conseiller yo d'ailleurs c'est chaque fois il t'ai prend la parole c'était dit ti mari pap monter. Ti mari pap descend, ti mari là pour 5 ans. Je ne jodi a, eh bien nous ouais, c'est vraiment désespérant, là n'a constaté pour population pays d'Haïti, ti mari monter, ti mari descend. C'est Reginald Boulos qui a parlé avec Jovenel Moïse, il était soutenu. Il dit que Jean Crislan tof là, c'est bagaille cabaille n'importe pour vertige. Nous toutes et c'est comme si nous t'es embarqué malgré nous-mêmes. Non, pour monde qui connaît ça là qu'on allait dans parc l'autre bord, montagne russe. Elle dit on monter descendre et qui gagne en pile danger là-dedans, c'est comme si malgré nous-mêmes nous embarqué et dans et montagne russe ça yo. Situation économique et politique peuple haïtien, c'est des bagages qui bail deux mains en tête. Là n'a regardé insécurité à cap laïté tout partout dans pays hein. Et là, on a regardé que la vie qui est possible, inflation montée 17,7%, un véritable record, d'après sa docteur Reginald Boulos précisé. Il dit proposition de faire dans le mois novembre 2018, non? Parmi ça, de prévoir la donne, tu dois avoir une négociation tout bon avec tout acteur politique, avec tout acteur économique et social dans le pays, pour être capable de jouer une solution devant la crise là, qui est décrite en grave, grave, année passée. Et qui t'a souqué pays a déjà. Solution ça, te gè la donne des éléments ça yo qui te doit aller non période transition que ou même t'a dirigé toujours en tant que président.
qui ça m'était proposé pour ou t'es décidé pour t'es d'accord pour t'es réduit dans temps qu'on t'a passé sous pouvoir qui donc temps mandat là t'a vinn pipiti pour t'es organiser de vrais états généraux nation pour te renvoyer par le banc voyez aller mais dans négociation organiser une véritable assemblée constituante qui te doit bailler pays a une autre constitution tout neuf et puis gen de l'autre action tout bon qui te doit faire pour te lancer sans passe pour qui procès Petro-Caribéen et puis pour te former un nouveau gouvernement salut public qui t'a gagné de pouvoir exceptionnel et septième point de gros action pour te mener bataille contre contrebande à corruption. C'était proposition ça, il dit te fait dans mois novembre, les crises dans te prend dimension que nous connaît. Mais dit président, si dans mois novembre 2018 peut-être ou te quoi côté gain l'autre route pour te ca sorti pays dans Kachubumbe côté lié a et ben journée jodi là n'a regardé, là n'a constaté j'en situation malouk, j'en pof, nous capable d'où situation changer total capital. A fait de match de manœuvre yo, et bien, si vous gagnez yo, yo très extrêmement limité. Puisque ça passait pendant ce temps ça, ou dans l'interprétation que vous gagnez de mandat et de interprétation cérémonielle. Que ou gagné strictement qui chita sous de procédure de mandat en tant que président indifférence ou concernant misère peuple haïtien mettez toute qualité misère au pluriel peuple haïtien son bagage qui fait me saisie son surprise ou j'en bail vague sous misère peuple haïtien pays avec douleur a fait face à gens que ou pas arrivé gagne capacité pour comprendre pour bien saisir vraie dimension dramatique crise que pays a vive donc pays a vive douleur ça parce que on a incapacité pour saisir pour bien cerner maman pemba crise ça et le fait tout son tête dû ou continuer avec DG ou pas ouais devant avec moun sa yo qui accompagne qui avec DG tout ça relé cavalier de l'apocalypse la limène dans Saint-Jean qui a pas accompagné dans route côté Bralia président wap vive dans un rêve dans une illusion un pouvoir qui pas existé encore si en 2015 et dans l'année 2016 m'était soutenu de bonne foi c'est Reginald Boulos qui a parlé non route ou te prend ou te al prend pouvoir la présidence mais doit quoi il est là avoué que m'en main coup fiel et m'en déception moi bon rivé pour moi reconnaître que m'en te fait erreur d'après avoir m'te quoi dans potentialité que te gagné ak dans bonne volonté d'être ça que te exprimé il toujours parlé avec Jovenel Moïse président. En plus de ça, dans non-cité, dans le dernier rapport, la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, la sous-jean que vous servez avec l'agent Fonds Petro-Caribéen, comme personnellement et ou profondément impliqué dans le crime, ça qui sont crimes financiers pour te voler l'argent peuple haïtien. Alors, il n'y a pas utilisé le mot voler, il dit subtiliser, mais c'est même bail. On va qui pas pour. Son scandale, vol, divin dit l'en a pris, avec tout l'autre crime qui associé avec l'agence, yo, particulièrement pendant règne, tandem, chef régime avec la motte, eh bien, c'est plus gros injustice que j'aime faire peuple haïtien que élite politique et économique, j'aime faire. Plus gros injustice que j'aime faire contre peuple haïtien. Révélation, ça, yo, t'as dû mener ou même, si n'attendez, propre déclaration que vous-même vous avez fait pour te mettre disponible pour la justice pays nous bien que pas fait tête illusion sur justice ça lui-même parce que son justice qui avilit toujours monsieur Boulos qui a parlé puisque son une justice qui est à genoux qui marie dans pied table pouvoir exécutif non de façon gros point être qui retirer indépendance
nan moment sa yo kote pa gen fait back parce que c'est des moments c'est des décisions qui pou prend décisive et kote gen menace sou la vie nation mwen doute de proposition m te fort la date 19 novembre 2018 lan capable ride pour éviter chaos nous qui paraît imminent comme si pas rien qu'à bloquer encore qui menace pays moi exhorté pourtant mais yon démarche qui rapidement doit mener pays à une transition politique qui a commencé à démission comme président dans tête pays. C'est toujours docteur Reginald Boulans qui a parlé à un monde qui connaît le Jovenel Moïse que il était soutenu pour arriver dans tête pays. Et me parlé à Reginald Boulans dans mois de avant événement. Il était toujours quoi que Jovenel Moïse était représenté une solution dans crise là et par la suite il va le déchanter au fur et à mesure. Une transition qui t'a dû t'en mettre à démission et date ça pour t'avoir un vrai dialogue national qui t'a dû commencer avec une autre constitution d'après ça dit que t'a dû adopter à des grosses réformes qui t'a dû t'en mettre et puis procès Petro-Caribéa t'a dû commencer sans aucune barricade sur route li gens que ou même ou monter barricade contre procès Petro-Caribéa depuis de l'année ou dans tête pays. En attendant démission formelle dans un délai qui pas doit dépasser 90 jours, gen nécessité immédiatement pour rentrer arrêter quitter nommer gouvernement illégal illégitime qui gen en tête ni monsieur Jean-Michel Lapin qui donc mettez bagay ça sous côté. L'autre décision qui doit prendre rapidement faut qu'on renvoyer conseil électoral provisoire ça qui illégal Reginald Boulos qui a parlé, faciliter pour un dialogue indépendant qui doit faire entre un secteur politique, social, économique en pays pour être capable d'adopter un pacte gouvernabilité et définir une feuille de route pour pouvoir transition et nommer un nouveau premier ministre sous recommandation parti qui engagé dans dialogue ça. Et Jean que te proposé dans point 3 d'après ça le dit. Et puis il finit pour le dire mesure que me proposé journée jeudi à ici là. Pas gain aucune manœuvre dilatoire qui ca écarter ni aucune stratégie à faire comme si d'adou chaque fois couler et puis reparaître en bas l'autre côté, ça y pas bail rien. Ni tentative manipulation faire diversion qui c'est Mac Fabrique mandat là. Ça va pas bien venir avec yo, c'est peine perdue. Fok ou décider jodi a et kounye a. Si c'est pas ça, l'histoire a kembe que ou pas de gen anken profondeur l'esprit d'a dit ko pa un moun ki solide, d'a dit ki gen anyen nan profondeur ni vision que tout grand homme d'état vision yo dit tan long, c'est-à-dire qui aller sur le long terme. Ou pas aujourd'hui moi plus loin que boutné. L'histoire a retenu qu'on pas gain en ken nan qualité ça yo et que un grand homme d'état supposé gain. Ni non plus ou pas arrivé élevé nan hauteur espérance ak aspiration peuple haïtien et que c'est vraiment pathétique ou te manque grandeur nan moment difficile ak nan moment douleur pays nou a traversé. Salutations patriotiques, Monsieur le Président, Docteur Reginald Boulos, citoyen engagé. Voilà, Reginald Boulos qui m'a dit démission Jovenel Moïse, que l'a soutenu pour arriver sous pouvoir, et qui dit toute déception, je dis, par rapport à la crise Maman Pemba, pays d'Haïti, à traverser. Entre temps, puisque c'est le temps des lettres ouvertes. Moi recevoir un lote, c'est 4 sénateurs qui écrit président Sénat pour faire le connaître calme à Cantabre, pas reconnaître Jovenel Moïse encore comme président. Toute action l'a fait pas engager pays. L'hypothèse date 3 juin, mais ça veut dire face à crise
sans pareil. Ça, social, économique, politique, qui a pas fini avec pays. Groupe 4 sénateurs dans l'opposition, ou est que yo obligé rapide presto écrire pour attirer attention en tant que président Sénat République là sénateur voulait présenter comme dernier rempart nation concernant conjoncture ça qui fait tout le monde peur. Il y a pas l'autre président c'est le président Sénat monsieur président pays journée jodia a vivre un moment qui pis sombre dans histoire avec yon dollar qui pas ka camper du tout devant goud blanc puisque désormais yon dollar américain vaut 100 goud haïtien ça veut dire besoin 100 goud pratiquement pour acheter un dollar affaire de inflation di presque niveau 19% déficit que nous ramasser avec gouvernement ça monter 40 milliards goud et peuple n'a pas gagné capacité pour vivre ça les pouvoirs d'achat li plonger jusqu'à 70% et gagne côté même 80% population pas ka mettre main en bouche pas même une fois dans la journée d'après un rapport Banque mondiale a fait business dans pays d'Haïti tant que monde qui était dans secteur touriste ben ça mouri enterré insécurité a laité le blai tout partout dans pays au point de vue politique son dodine et situation chaque jour plus sous la graba devant incapacité équipe qui sous pouvoir pour diriger comme ça doit pays pour mettre en place un gouvernement depuis que te voyé aller on brèche dans parlement ancien premier ministre Jean-Henri Seyan gain plus que 2 mois je toujours parler avec président Sénat l'un a vivre là li gravement grave promesse monsieur Jovenel Moïse te fait peuple pour dormir c'est de il dit Jean pas chita rien pas deux pieds enflé. Depuis environ 2 ans et demi, c'est ça l'a fait. Tout pour n'attendre pile avec paquet de promesses qui était fait. Songez, nous avons anniversaire 24 heures sur 24, il campait derrière, pays a bien lumière tout partout. Et 24 heures sur 24, nous plongeait dans blackout. Il était promettre la bas jeunesse dans travail et bien il plongeait pire dans chômage. Et résultat, soi-disant caravane qui était pour porter changement tout pour nous connaître. Et programme l'idée de la faire route et la trier, et bien c'est l'argent de l'État qui te débloqué gaspillé. Jovenel Moïse, pas de capacité. Il se yon corrompu, il pas de place li encore dans le palais national. Là. C'est ça, sénateur, écrit 4 sénateurs qui empêchaient jusqu'à présent ratification, déclaration politique générale, premier ministre nommé. L'est arrivé pour nous assumer et pour assumer responsabilité. Yo. Parce que l'histoire a kembe en bien ou en mal action qu'on fait kounye la. On gen courage pour nous voyer dossier Petro-Caribéa devant la justice. Parce que depuis 2 rapports commission spéciale Sénat éthique et anticorruption vini avec 2 rapports la Cour supérieure des comptes contentieux administratif population pays d'Haïti a attend et la dépatienté pour qu'on ait qui est la justice a fait travail li. Dans quoiqu'un chaîne scandale côté que volait toute l'argent ça qui était pour peuple haïtien dans fond Petro-Caribéa qui et a gagné des conséquences très graves sur santé économique politique pays dossier Petro-Caribéa nous capable dire c'est dossier siècle lié pour Haïti c'est pour une glace qui devant qui permettre pour nous à clair gens en pile monde l'aide dans question corruption en Haïti. Faut que nous sauver pays à Haïti, là nous prenons décision ferme pour procès sa fête sans passe pour qui dans cadre dossier Petro-Caribéa. C'est un devoir chaque citoyen gagne que doit assumer chaque haïtien et chaque haïtienne. Je toujours parler avec président Sénat, chaque monde qui gagne nom qui gagne main trempé dans l'argent ça dans cadre dossier ça. Eh bien, moun sa yo pa gen l'autre bagay pou yo fè, se mete yo à disposition la justice. Pa gen anken discussion. Parce que pa gen anken moun ki sou tête la loi. Jovenel Moïse, li dwe bay exemple. Et c'est li même qui dwe livrer tête li volontairement pour bay la justice, livrer, mette la disposition la justice, d'après avoir impliqué dans vol, dans corruption, dans malversation, yo reproche l'nan cadre. Wout Kochi ak l'agent projet Petro-Caribé
l'argent que elle prend pas fait aucun travail pour ça là que le président compagnie les Agritrans non comme ça c'est quatre sénateurs qui a parlé groupe quatre sénateurs en opposition quoi avec force que Jovenel Moïse pas de crédibilité il pas de moralité assez pour continuer rete nan tête nation sous base ça groupe 4 sénateurs voulez pour informer pour eux-mêmes monsieur ça y aurait les Jovenel Moïse là ensemble à communauté nationale internationale là yo pas reconnaître lui encore désormais yo pas reconnaître autorité comme président nan tête pays là puisque lui impliqué dans dossier corruption nan piscine ça li bien pas gon branche cheveux qui était dehors encore action administrative avec arrêté que le signe à partir de quoi elle est là c'est reculpé et il y a pas droit gain aucun effet pour pays dans sens ça tout l'autre acteur dans scène nationale là yo doit mettre ensemble pour capable sans perdre du temps bref délai plus vite que possible remplacer Jovenel Moïse dans tête l'état institution l'état et tout sénateur qui a parlé yo doit jouer rôle pa yo même gens à communauté internationale là qui soutenir ça fait trop longtemps pouvoir corrompu ça yo doit ramasser caractère yo pour éviter que situation parvienne plus grave dans pays pour finir groupe 4 sénateurs ça qui dans opposition profiter de l'aide ça voye ba au président pour saluer courage peuple haïtien particulièrement jeune yo nan mouvement sa sou réseaux sociaux Petro Challenger et li invite yo pour yo très veillatif par rapport à toute qualité manœuvre en battable qui a fait tant pour ça député yo te essayé faire par trop longtemps pour te essayé mettre en accusation pour te juger même la cour supérieure des comptes à contentieux administratif yo c'était un seul ça que te d'elle c'est pour te empêcher rapport ça te sorti parce que yo même et yo te là pour yo défendre régime nan et dans dernier rapport qui t'a pral sorti yo connaît ça t'a pral sorti yo te sorti pour te empêcher la croix publier rapport alors et il fait connait que pour te casser rapport alors que yo même c'est yo même qui t'a dit que c'est pour retirer rapport nan main sénateur pour te voyer dans la cour supérieure des comptes qui c'est bras technique qui pas dans politique eh bien les qu'on connaissait ou malin ou rencontrer un malin qui plus malin passe c'est ça sénateur dit pour fini et yo saluer patriotiquement président sénat Calmur Akantave qui est-ce qui signe sénateur Evalier Beauplan sénateur et Nenel Kassi sénateur Antonio Chirami et sénateur Pierre Ricard Pierre en pile note comme ça vous comprenez nous pas passer toute jeudi hein mais pour qu'on y là on vient avec une membre secrétariat général organisation Petro Challenger nous pas dormi sociologue James Beltis qui saluait publication deuxième rapport la cour supérieure des comptes nous interview by radio Kiskeya jeudi hein Beltis annoncé manifestation dimanche 9 juin qui a venu là pour demander la cour et qu'on y là pour le bail arrêt de débat concernant tout le monde qui impliqué que responsabilité dans l'état dans dossier Petro-Caribéa et exiger démission Jovenel Moïse sous pouvoir pour le mettre à disposition la justice. N'a pas des sociologues Dan Beltis qui est membre secrétariat général nous pas dormi une organisation Petro Challenger qui t'a parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Bon moi nous pas dit mon satisfait donc nous pas dit nous bien que nous connaissons 70% rapport qui nous amène. Ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage, nous pensons que il y a des problèmes de fond qui nous est, c'est des tirs qui sont sous date. Comme si il y a des problèmes qui viennent dans le rapport, globalement, il y a une satisfaction du travail qui est fait là. Si nous lisons la méthodologie du travail là, si nous lisons ensemble des marches là, nous pensons que son travail sérieux, pour se faire des comptes en fait, bien que nous toujours en attaque du reste rapport. Donc, nous reconnaissons qu'il y a des petits failles qui fait, des corrections qui sont faites, sont des questions, mais nous ne pensons qu'il y a du plus fondamental dans le fond de travail là, parce que la méthodologie, nous pensons que c'est un bagage correct, et nous-mêmes nous disons, nous reconnaissons que pour supérieur des comptes, mettez-le au diapason par rapport avec pression population, il va faire comme si on ne pas de temps même avec le Parlement,
Et parce que comme si on partait de même avec le système judiciaire là, et parce que comme si on partait de même avec le pouvoir exécutif là. Donc ça, nous quand même saluer, bien que nous disons, et nous gagnons, nous en attente de recevoir et nous en attente de arrêt du libéré. Donc ça veut dire que nous toujours en attente, nous toujours exiger arrêt des libéré, qui sont passages obligés pour nous avancer dans la question OCR. Donc nous attendons arrêt des libéré et nous pas camper mobilisation. C'est pour ça nous invitons la population le 9 juin pour mobiliser. Qui m'a donné nous? Est-ce que nous toujours que même mon ordre là, eh bien nous gagnons l'autre revendication de manifestation à bien pour nous faire. C'est tout ça dimanche là. Il y a un président de la République là, qui est le premier citoyen pays, qui est d'après la loi, qui est au-dessus de tout ceci. Qui a un nom qui est cité plusieurs dizaines de fois dans le rapport. Donc, tant que nous avons dit le 9 mois février, nous sommes ça, nous exigeons démission du président, nous exigeons arrestation pour nous débuter pour cette petite Caraïbes et tout bon. Nous disons les noirs sur blanc dans la position qui est sortie, et nous avons demain, on appelle à la nation qui vient pour sortir, la donne nous claire. Nous pas d'accord pour gagner corrompu qui a dirigé nous encore. Nous pas d'accord pour une n'importe quel scandale corruption qui vient presque dans tout continent. Nous gagnons citoyen qui a dirigé pays pour y impliquer là-dedans. Ça n'est pas fait au pays à nous pas sentir nous honorer du tout. Mais dans toute presse internationale, la écrit que le président haïtien épinglé non scandale corruption et puis pour lui continuer à représenter pays à. Je pense que ça va faire l'honneur société à, il va faire l'honneur jeunesse à, il va faire l'honneur génération à besoin je dis à. Et donc, c'est ça que nous exigeons de mission. Pour manif dimanche, là, est-ce que nous chitons à parler avec plusieurs l'autre secteur? Pendant toute semaine, là, nous avons pu parler avec plusieurs groupes, non seulement du groupe Petit Challenger, du l'autre groupe en identité civile, du l'autre groupe qui est dans l'organisation Droit Monde, que nous continuons à continuer jusqu'à samedi pour nous rencontrer des secteurs, pour nous capables de faire un gros lever campé, pour nous exiger des missions présidentes et en même temps exiger que le 7 est au Caribe à les débuter. Et puis, mettez pression sur le coup de compte pour nous donner un RDPE. Voilà, c'est Djem Beltis, nos papes d'Omi, qui est dans le secrétariat, qui c'est une organisation Petro Challenger, qui t'a parlé comme ça dans le micro, qui était à Jean-Pierre Taylor. Djem Beltis, c'est un sociologue. Et puis, toujours concernant le dossier ça, gagnant dirigeant jeune Barreau Port-au-Prince t'a rencontré la presse journée jeudi qui réagit sur rapport Petro-Caribéa que la Cour supérieure des comptes publié dans une conférence pour la presse et responsable jeune Barreau Port-au-Prince t'a bail dans palais de justice là journée jeudi a mandé pour Jovenel Moïse faire premier pas pour permettre la justice faire travail li pour aider procès à faire route li. Président commission anticorruption dans jeune Barreau Port-au-Prince déclaré pour Jovenel Moïse pas quitter ces populations qui prend la rue pour exiger pour démissionner dans tête l'état. Luxon Evelyn Love et fait connaître ses seules démissions Jovenel Moïse qui capable faire sortir grand dans l'histoire parce que dans ça lié journée jodia n'a tendel président anticorruption dans jeune Barreau Port-au-Prince. Dans le moment d'après rencontrer la presse, je dis. Président pays, il y a un nouvel premier au mot. Parce que lui t'a toujours dit que n'importe monde que rapport ça t'a révélé qui coupable. Faut que moun sa yo paraît devant la justice pour juger. Maintenant, nous regrette que m'a dit président ça. Nous regrette que m'a dit président ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si, en tant que président, vous ne voulez pas affaiblir l'institution dans le pays, ou, si, en tant que président, vous connaissez que pas de bail menti, maintenant, vous avez pour faire le premier pas. Le premier geste pour faire, vous pensez que vous connaissez déjà, et peut-être que les gens qui ont entourage, les gens qui ont parlé national avec, les gens qui ont équipe dans le Parlement, ils doivent dire non, ils ne passent pas quatre chemins, puis ils doivent dire, ils doivent dire, ils sont bel garçon, ou sont bon président, ou pas faire ci, ou pas faire ça, ou ça va carrément. Mais consciemment, président, consciemment, nous demandons, faire premier pas pour capable permettre que la justice pays a capable de saisir des questions tout bon pour que, enfin, ils rejoignent tout le monde. Qui impliqué dans ça. Parce que si c'est président, ou même, ou fait premier pas, ou quitter la justice, fait travail, il pense que dans pile monde,
qui comprennent que c'est des super chefs dans le pays, malgré qu'ils n'ont pas rien dans l'État. Mais c'est eux-mêmes qui ont tout mal-être, qui ont manœuvré tout système de justice. Là. Bon, c'est que si vous-même, en tant que président, vous faites premier pas, vous permettez que la justice traite les questions, juge qui gagne pour traiter les questions, peuple au Caraïbe, ça me montre que la plus à l'aise. Pour le tendre, tout le monde que lui tendre, et c'est le ça, pour un procès, je pense que c'est le ça tout, ou après t'es grand dans l'histoire. Si vous pas fait, ou quitter que ce peuple-là, qui en colère, qui prend béton, hein, j'aime donner ça pour annoncer pour dimanche si Dieu veut, je pense que ou après quitter le pays à sous de très mauvaises notes, et qui pas bon pour ni ou même, il n'est pas bon pour ni monde qui nous entourage. Je pense que le moment arrivé président pour attirer la révérence, c'est souhait pas jeune Bao, ok, parce que c'est ça qui est bon pour vous et c'est ça qui est bon pour le pays. Luxon Evelly Love, et qui est responsable dossier anticorruption dans jeune Bao Port-au-Prince, dans la conférence pour la presse, jeudi à ce dossier. Petro-Caribien. On a dans à Tibonite, côté coordonnateur section droit moun nan main ensemble pour développer Haïti MEDA, mettre Michelet Dorgil réagit sur rapport la Cour des comptes et côté dit fait connaître président Jovenel Moïse doit mettre à la disposition la justice haïtienne. Militant droit moun nan salue courage juge la Cour supérieure des comptes pour volonté yo gagner pour faire lumière sur dossier Petro-Caribien. Et Josué Jean-Baptiste, correspondant nous dans Artibonite là pour plus de détails. Président Jovenel Moïse doit démissionner pour mettre le disponible pour la justice. Nous tap cité là, parole coordonnateur section droit monde, mais ensemble pour développer Haïti en qui croit, puisque non Jovenel Moïse cité dans rapport Cour supérieure des comptes là, comme monde qui gagoté l'argent Petro-Caribéen, li pas digne pour continuer à diriger pays. Maître Michelet Dorgil salue courage juge yo dans Cour supérieure des comptes ak contentieux administratif yo pour volonté yo manifester pour lumière faite sous comment fonds Petro-Caribe a été dépensé. Maître Michelet Dorgil c'est coordonnateur MEDA droits humains. Parce que soit dirigeant un pays, gen gros doute de corruption sous dos, ou pas digne pour être à diriger pays ça. Ou doit conscient son nation, yo pas gérer nation tant que famille, yo pas gérer nation par sentiment, ou doit gen respect pour tout le monde qui en nan pays a. Parce que pas diriger pour vous, pas diriger pour la nation, pour la République. Et MEDA droits humains, demander président comme premier citoyen nation, les mêmes pour assurer confiance nation et les mêmes pour le bailler chance encore à tout ça qui reproche lui pour le sortir comme citoyen propre, comme citoyen honnête. Mais pour le faire ça lui-même, il pas digne pour la continuer qui met bac pays par rapport à doute qui planait sous dol. Il doit démissionner. Automatiquement, il doit démissionner, mais démissionner par un désordre. Juge Cour supérieure des comptes doit continuer travail puisque il y a un dividal l'autre dossier corruption qui ferme dans tiwa selon coordonnateur MEDA droits humains. Maître Michelet Dorgil. Juge dans Cour des comptes même, il va besoin de temps là à mobiliser une enquête sénatoriale pour faire quoi que ce soit. Yo doit faire attribution comme ça doit comme la loi ba yo. Il y a pile dossier toujours qui dans tiwa. Yo doit commencer travail et permettre qu'une nation connaît comment comme payable dimanche. Responsable MEDA droits humains mandé pour mobilisation yo continuer pour faire pression sur appareil justice là qui doit prendre toute disposition pour juger et puis condamner Zanana Coupingouin puis Koumao qui fait autre cochi avec l'agent ça pays Venezuela t'est prêté à Haïti pour faire développement. Gonaïve Josué Jean-Baptiste Kiskea. Oui, et puis gain association l'école communautaire dans Pétionville ak nan Kinskof AECPK qui mande tout secteur dans la vie nationale là répondre présent dans mobilisation qui annoncé après publication deuxième partie rapport la Cour supérieure des comptes sous dossier Petro Caribéa. C'est déclaration secrétaire général association ça Jean-Élise Seliska et ak Esteve Jean-Francelin Fernamikoun. Par rapport avec le rapport qui vient de sortir vendredi, un rapport sur le supérieur des comptes qui sortit sur la question Petro-Caribéen, puisque nous-mêmes, directeurs de l'école communautaire, surtout dans Pétionville à Kinskof, qui sont des victimes nous, depuis 3 ans, de ce, que ce soit des régimes, mais de actions régimes posées depuis l'arrivée sous pouvoir en 2011. Je dis à la nous juger bon que nous ne sommes pas capables de pour nous passer comme complices de actions que nous a opposées depuis l'arrivée sous pouvoir depuis en 2011, je dis à nous tenir à ce que pour que nous soyons capables de passer dans la radio ce qu'il y a pour nous faire passer voir nous. Je dis à la
ça a été vaut dans le monde face à l'étranger sur la semaine dernière. Je dis à la haïtien pas de valeur ça encore. Pays a dénigré, pays a fini, jeune n'a pas d'avenir. Moi-même qui parle à vous là, je suis un jeune éducateur, je n'ai pas envie pour mettre dans le pays encore malgré ma volonté pour servir le pays. Donc, les gens, un petit groupe de monde, sous prétexte que c'est bandit légal, et bien, ils ont accaparé le pouvoir. Je dis à la, ils ont fait ça, ils connaissent, ils ont vassalisé l'État, ils ont salpé le visage de la population haïtienne. Non. Tout côté haïtien passé, finalement, sont déception sa vie. Donc, nous demandons. Population haïtienne, nous demandons à chaque haïtien, nous demandons à chaque jeune universitaire, nous demandons à écolier pour porter coller dans toute cité, dans tout mouvement qu'a fait pour permettre que Haïti allons souffre. Face à rapport qui sorti, je demande à tous 10 départements, mis à part de la diaspora, qui doivent lever campé pour dire non à ce système ça, qui après 7 ans, nous avons un taux d'inflation qui est à peu près 19%, c'est toute population, dans tous 10 départements qui doivent lever campé. Parce que pour moi-même, peuple haïtien coupable dans ce qui a passé, parce que y aurait la caillou, il n'y a pas allé la manifestation en masse. Donc maintenant, depuis dans quatre coins pays, haïtiens tout partout, levez campé pour nous déboulonner régime tête calée ça, tête calée 1, tête calée 2, et qu'a préparé pour y continuer qu'un peu pouvoir, que tout pays a levé campé pour déboulonner régime ça, pour Haïti caralonce. Voilà, c'est l'association l'école communautaire dans la commune Pétionville à Kinskoff, AECPK, deux représentants de l'association SAYO qui t'ont parlé dans le micro, Jean-Élise Seliska et Estève Jean-Francelin. Juste avant de nous faire l'autre campagne, au moins de faire un premier coup de pied d'actualité internationale, là, puisque le président américain toujours l'ordre, capitale Angleterre, Grande-Bretagne, visite officielle hier soir, c'était Ololo dans Buckingham Palace, côté reine à vivre, il a fait un banquet dans l'honneur président américain qui a fait une visite d'État 3 jours, qui a fini demain dans Grande-Bretagne. Au moins, un peuple britannique là, qui côté le garde à Trump, qui pas dans ses collés à les affaires Union européenne, il profite de voyage d'État l'a fait dans la capitale britannique là pour délivrer quelques messages sans phare. J'ai l'habitude de faire et comme ça il dit que depuis Grande-Bretagne sorti dans l'Union européenne ce tapis rouge États-Unis a déroulé pour lui pour faire business avec elle. Il parlait donc grand accord commercial qui possible une fois que Royaume-Uni a retiré chaîne qui dans pied chaîne ça relève l'Union européenne. D'après ça il dit dans un tweet il voyait hier soir et même Jean qu'on habitué faire et dire comme si c'est vous connaissez comme businessman lié lui a vanté marchandises qui c'est États-Unis et matin il y a plusieurs chefs entreprises anglais dans sens ça li ba au même message non nous avons gros potentiel entre nous-mêmes avec nous de deux côtés océan Atlantique non pour faire quoi qu'un partenariat commercial incroyable avec Royaume-Uni d'après ça le dit li déjà quoi que Union européenne nan, c'est des dos Grande-Bretagne et la pral nan il pa pral nan négociation que Theresa May t'a fait là mais de façon brutale il a quitté sans aucun accord d'après Jean Paléa Trump voulait pour Grande-Bretagne ouvrir marché là bas tout produit américain il dit tout ça que nous besoin États-Unis ka vann nou ni tout bagaille nous besoin tout ap sou table là c'est ça président américain déclaré là ni système santé à tout et ça qui fait que un paquet britannique qui est attaché à système santé que yo gagnent et yo levé campé tant qu'on dans Trafalgar Square connecté gagne manifestation je dis à que des pancartes qui dit Trump retire partout sous système santé noir NHS non qui c'est système public santé britannique là considéré comme une dans meilleur qui gagne dans monde là et pourquoi il est là et gagnent moun qui en faveur un nouveau référendum yo dit c'est clair Trump en souhaité pour Grande-Bretagne quitter l'Union européenne sans aucun accord après ça pour c'est lui-même qui a dicté et qui genre qui est pour yo gagner comme premier ministre donc qui donc lui-même à partir des États-Unis qui a venir diriger Grande-Bretagne faut nous dit pendant ça ça gagne des monde la salambe tant que magistrat capital là qui d'origine pakistanaise qui sont musulmans ça dit Khan qui pas aller dans réception red dans te faire pour lui hier soir qualifier monsieur de total loser et chef opposition pas de vin tout dans réception travail
Jeremy Corbyn, il fait connait monsieur son force négative et trop qui pas privé tête de rien et il passe tout premier ministre Thérèse qui a officiellement vendredi qui était placé puisqu'il démissionner comme premier ministre qui échoué dans dossier Brexit non, il passe dans bêtise parce que bien que le rencontre avec mademoiselle Jodia, il dit mademoiselle pas bien négocié avec européen d'après ça il fait connait. Mais il est content tant que l'a passé dans capitale britannique là et visite d'état l'a fait bel accueil reine dans Bali avec toute famille royale là hier soir li même avec madame ni avec quatre petites lio quatre pigro et bon d'après médias français yo, c'est pas très protocolaire le fait que yo inondé réseaux sociaux yo avec photo et puis avec commentaire et présence dans Buckingham Palace et Trump après ça profiter pour parler avec principal candidat qu'ap chercher pour venir remplacer Theresa May dans 10 Downing Street là youn la de gè favori c'est Boris Johnson qui c'est ancien ministre affaires étrangères qui est occupé Foreign Office li dit si monsieur arrivé dans tête grande Bretagne là font bon travail et li croit que monsieur a séparé avec européen sans problème d'après ça il dit même Jean Tour gagné actuel chef diplomatie britannique là Jeremy Hunt li croit qu'a fait un bon boulot tout selon lui-même il pas manqué recevoir Zamin populiste même Javel Nigel Farage c'est lui-même qui sorti comme grand vainqueur dans élection européenne yo dans Grande-Bretagne et élection qui s'est faite il y a 2 semaines n'a fond notre campagne.